Toc. Une axe. Voilà. Il me faut du soul. Donc ça, c'est de la soul sand et de l'or. Évidemment, encore de l'or. Il m'en faudrait 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'attends que ça se fasse. Ah, j'ai foutu où mon téléphone? Dans ton cul. C'est un peu bref ça. Ah, il est là. Bon. Allez, les deux autres. Putain, c'est tellement lent. Et il faut que je refasse encore une tête. Une tête de n'importe quoi, mais il me faut une tête. Sortons l'épée. Et puis cherchons une vache. D'ailleurs, on peut looter une tête sur un mob, sur un joueur. Un joueur? Ouais. Ah, je crois que je crash. Non, je sais pas, j'ai pas envie de tester. T'es sûr? Il me faut juste une tête. Ah, non, j'ai pas envie de mourir. Une tête. Il m'a looté une tête, lui, ou pas? Non. Tiens, il y a un joueur qui demande, est-ce que Kanizam et Enderio à 1.8? Non. Bande de con, c'est toujours pas. Hop, torche. Coucou toi. T'as looté? Non, t'as pas looté, t'es trop con. Hein. Ah putain, fichier. Que. Est-ce que ça passe par ici? Est-ce qu'il y a du mob? Ça a l'air. Non, pas par ici. Tiens, il y a du copper. Oh, il y a du fer. Faut que je descende dans les fonds marins. Alors, elle, elle loot pas, de toute façon. Oh! Ça, je vais prendre, par contre. Putain, les potes des chiselles, c'est tellement relou à faire. Ouais. Putain, mais ils veulent pas looter ces mobs. Tu fais quoi si un mob veut pas looter? Bah tu farm. Ouais, c'est à peu près ça. Non mais ils veulent pas looter. C'est chiant mais ils veulent pas looter ces cons. Par contre ça je veux bien récupérer. Bah ouais, looter t'as pas looté. Wouhou! 6 cristaux d'un coup, YOLO. Loot-moi une tête, squelette de merde! Oh, une belle crevasse ici. Ah bah oui, c'est celle-là. Ok. Alors, normalement, il y a un creeper ici. Oui, une tête! Oui! La tête sur un creeper. Voilà, comment on fait? Ouais, c'est beaucoup plus facile le loot d'un coup. La fameuse maison qu'il faudrait que je termine un jour. Hop. Du coup, alors, il me faut une tête. Il me faut ça. Ça. Voilà. Et ça. Voilà, joli ce bloc. Je passe ici aussi, je passe juste deux câbles d'énergie, j'alimente le tout, parce que ça va chiffrer très vite au niveau de l'énergie.
Voilà, lui il est plein. Lui il augmente petit à petit. Voilà, bon, maintenant. Repassons au transdimensionnel. Voilà. Et maintenant, il me faudrait du coup des têtes d'Enderman, du vibrant. Et ça va être. Il me faut 7 têtes d'Enderman. Oh, t'es sérieux? 14 sous le machin. Bah, si tu j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Si ça t'intéresse, t'en captures juste un Granato Spawner pour aller plus vite. Ouais. Ça t'évitera de farmer l'Enderman, tu vas te prendre des plombs parce qu'il faudra les trouver. En plus, les pleut donc c'est compliqué, etc. quoi. C'est clair. Mais il faut que. Et par contre, mon auto-spawner il est assez old school, hein, je te le dis. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, mais. Non, je l'ai pas encore vu. Tu vas pas être déçu. c'est quelque chose à. T'as déjà vu une installation dégueulasse? Voilà, c'est pire que dégueulasse, tu vois. C'est pire que dégueu. Bon, bah ah, on oui, va voir. Et par contre, j'ai pas de safarinette de Norman. Faut qu'on trouve un. Ah, il faut que je prenne une larme de ghast. Ah non, je crois que je peux générer les larmes de ghast. Le ghastir. Alors, à part la soul sand pour l'avoir là-dedans. Ah, c'est tout, je peux pas. Ah, je peux transformer la larme de ghast, je crois, en autre chose. J'avais les mecs qui t'a capturé, dit que c'est plus facile à loot. Ah, l'amitié, putain. Ah, c'est ça. C'est à partir de Botania, je peux changer les larmes de Ghast en Enderman. Underpearl. Si tu veux, au pire, j'ai les Safarinettes, c'est ceux que tu utilises qu'une seule fois, juste pour le capturer. Après, tu. Bah, non, il faut une. Ah, oui, tu faut une normale pour tout avoir. Bon bah allons faire un tour dans le Nether. Hein. Allons faire un petit tour. Avec mon petit portail tranquillement ici. Ghast, t'es où? Viens voir viens voir papa. Putain, j'ai du mal à parler moi. Hop. J'ai entendu un ghast. Viens ici, papa. J'ai rien senti. Fais comme moi, ça marche mieux. Oh la boule. Oh la boule. C'est ça. Non, j'ai pas rendu, mais j'ai eu deux ghastirs. Donc c'est cool. Salut, toi. Oh bah oui. Hein. Oh oui. Du coup, bah, allons-y. Let's go. C'est parti les amis, nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Ah, je sais quoi, le spawner ou le ghast? Ah bah le ghast c'est bon, je l'ai. Ah bah ok, voilà. Bah, je vais retourner vers ma base pour déjà t'aider à le trouver. Oui. Est-ce qu'il y a des ghasts? Enfin des Enderman pas très loin de chez moi. Au pire j'ai des underperm moi perso. Salut la poule. Je peux faire spawn Enderman avec des Enderperles, what? Non, j'ai des Enderperles. User si joined your channel. Ah, ok, non, peut-être. Par contre, il y a un putain d'orage. Hein. In-game, je parle. Alors, j'ai un petit toc-toc-toc de Monsieur Ethans. Bientôt, Lily, bien. Très très bientôt. J'ai m'organiser. Et 60, ouais, ou pire 62 heures, on verra bien, mais. Débat, c'est un troll, mais je vais tenter. Ah, les mini Enderman, ça compte ou pas? Pour looter une perle, oui. Mais moi, je te parle pour, pas pour les perles, pour ce que tu cherches, toi. Ah! Non. Oui! Putain, ça loot tellement la tour en bas. Il y a une personne qui demande c'est quoi que t'as comme armure, et un autre demande si les stream tips sont activés. Ouais, les stream tips sont activés. Ouais. Et l'armure, c'est l'obsidienne qui est à, je crois, ça. Ouais, l'obsidienne chestplate. Ah! J'arrive. Oui,
Ethan, j'arrive, j'arrive. Bah, juste faire une petite pause, les gens, histoire que j'aille manger un petit coup, par contre. Parce que Ethan, c'est aller chercher à manger. Hop. Moi, bon, je laisse la farinette. Hein. Ah, bah, ok, bah. Moins plus que l'Underman. Hein. Ouais. Je vais juste faire une petite pause. Ah merde, c'était de la cobble chisée. Juste faire une petite pause les gens et puis du coup je vous retrouve juste après. Hop. Ouais, comme ça Redix va pouvoir faire des bruits chelous. Pendant tout le temps, t'es fou, j'aurais mal à la bouche après. Eh ben grave, c'est ton choix. Petite pause pour moi et je vous retrouve dans 10 petites minutes, les gens. Toi, tu peux continuer, le micro reste toujours activé. Ah, sérieux? Tu dis quoi pendant tout ce temps? Ils n'avaient pas ma vue en plus. Ok, bon bah, grâce à mon pays, j'aurais que dalle. Je suis fatigué. Bon, on va se retrouver ensemble. On est parti manger. Pour ceux qui se demandent, c'est comme la dernière fois et puis le toilette. T'as vu qu'il faut la faire. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pourrais répondre à sa place. Je le connais pas mal. Je vais refaire ma baraque, mais en tout cas. Tiens, il est en train de manger l'enfoiré. Quelle heure il est? Il mange à 15h. Hop là. Tu peux parler avec moi, Boetan. C'est pas Ethan. Ah, oh, tu m'as insulté. Foiré, va. Non, non, c'est Ethan qui a été insulté. Désolé. Oh, c'est encore plus méchant, ça. Va tuer épée. Attends, raconte-moi une blague. Alors là, une bonne blague. T'as pas une vanne, toi, Arf? Ça dépend. Est-ce qu'elle peut être raciste, misogyne? Bah, j'en ai aussi, des comme ça, mais bon, faudrait éviter, quoi. Ouais, c'est pas notre live. On est avant 22h. Ouais, tu vois, dans mon live, moi, je sais que ce sera le chaos, tu vois. Genre, si je fais un live, je sais que les vannes, ça ira bien dégueulasse, tu vois, comme il faut. Mais ici, c'est pas le mien non plus, donc... Mais, de toute façon, comme mes amis me disent de moi, je m'habille comme un prince, je suis une vieille raclure, au fond. Bref. Comme nouvelle conf... Ah, comme nouvelle configuration, j'ai un Intel Core i7, carte graphique 980 GT de NVIDIA, Tera séparé, un SSD, 16 Go de RAM, et après le patati, lecteur DVD, graveur, on s'en bat les couilles. Tout ce qu'il fait avec. Et les ventilateurs, je ne m'y connais pas. Voilà. Sachant que c'est moi qui ai la config la plus pétée, en fait. Oui, et sauf que lui, sa config, elle marche. C'est carrément Optimus, son PC, il se lève, il te parle. Prank épée. Ce serait bien, mais comment le prank? Enfin, vous avez quoi comme idée pour le prank? Après, prank, au pire, vous me donnez des idées, je pourrais le prank plus tard, on va dire, quand il sera déco. Parce que là, peut-être, si en 10 minutes, ça risque d'être quand même short pour le prank. Mais au pire, vous me donnez des idées, et je le ferai pour vous pour la prochaine fois. Attends, vous le verrez dans sa vidéo à lui, ou dans la main, on verra bien. Ça prank, je suis dédié. Et il love salade. Sympa la salade. Sur les patates. Pourrait planter de la salade partout chez lui. Hein. Oh puis si vous avez des blagues, dites-le dans le chat. Hein. Ouais. Bon, à part des blagues vraiment trop racistes ou autres, on sait jamais, mais essayez d'être... Non. Ah, dans pire, les clous, on va dire. Non. On les banne pas s'ils font des blagues sales. Bon, on verra bien. Ouais, ils sont à ta chaîne YouTube. C'est tout simplement Redix Gaming. Hein. Tu peux taper sur YouTube ou Redix ou autre, je suis souvent la vidéo d'épée dans tous les cas. Le live de 72h, je pense que dans. Soit la semaine pro, soit dans soit celle d'après. Parce que je crois que c'est. Dans le week-end prochain, je peux pas parce que j'ai un anniversaire. Mais celui-là d'après, je sais que mes parents sont pas là pendant 3-4 jours. Donc au final, je vais faire le live là, je pense. Mon dieu, Redix, un YouTuber qui a une vie sociale, il va voir des amis. En fait, j'explique, je suis forcé à venir à l'anniversaire. On m'a forcé à y aller. Voilà. Fais-lui spawn plein d'Enderman à côté de lui, Step. J'aimerais bien, mais le problème, c'est qu'il faudrait que je trouve une safarinette d'Enderman, en fait. Et je trouve pas d'Enderman à côté de moi. Mais si j'envoie un popé, je le ferai. C'est l'histoire d'un zoophile qui rentre dans un bar. Voilà.